C'est depuis le cœur du Languedoc-Roussillon, à Narbonne, que j'ai la joie de vous présenter cette chronique d'écran local. Je suis au fond du trou, plus bas que terre. Mes ennemis s'en réjouiront, mes amis le déploreront, encore qu'on n'est jamais sûr des réactions et sentiments des seconds. Ce trou organise la nouvelle vie de la capitale de la Septimanie, Narbonne. Né de la volonté de l'ancienne municipalité, après 30 ans de règne, d'offrir à cette ville une vraie place centrale pour remplacer un parking peu esthétique, elle tomba sur un vestige, romain bien entendu. Je vous parle donc depuis une portion de la voie domitienne. Cette voie fut créée en 118 avant l'ère chrétienne, pour relier Rome à la péninsule ibérique en passant par la toute nouvelle conquête romaine, la province de la Narbonnaise. D'abord destinée aux militaires, les marchands empruntèrent cette voie pour se livrer à leur commerce. Et aujourd'hui, autour du trou, près du palais des archevêques et des dames de France, qui célèbrent l'architecture du 19e siècle, les cafés disposent leurs terrasses et les touristes vont et viennent en admirant les architectures successives. Narbonne, ville romaine et visigothique, s'ouvre à tous. Bientôt, grâce au dynamisme de notre président de région, M. Georges Frêche, un musée de la romanité de dimension mondiale va être créé. Ne pourrait-on pas l'appeler Narbonne capitale en souvenir de la province romaine de la Narbonnaise ? À suivre. Et, comme le dirait Lucrèce, un contemporain de la voie domitienne, 98-54 avant l'ère chrétienne et disciple d'Épicure, à la prochaine fois. Si les galactons, les petits galactons ne m'ont pas galacté.